Jamais plus serein que lui. On dit pas. On sera lié. Mon vieux père Ibrahim Traoré, grand combattant, sois salué depuis ta bord, depuis ta position. Je salue ici tous les soroïstes, tous mes frères, mes amis, combattants de lutte. Je salue le grand professeur Franklin Yamsi Wa Cameroun. Je salue ici la guêpe. Je salue mon vieux père Aston Martin. On dit la charité bien honorée commence par soi-même. Ok, donc on va saluer d'abord nos camarades depuis les États-Unis. On va descendre en Italie pour saluer mon vieux père Doumbia Azul le Gangamba, le grand commandant. Sois salué depuis ta bord, depuis ta position. On va saluer le grand Moroté Moroté. On va saluer maintenant les amis de Paris. On commence par le B52, Soulet de Paris. Sois salué depuis ta position, mon frère. Je passe encore le flambeau à mon frère, le grand Doro Mouadou, dit Il Rouge. Amiral Blindé, sois salué. Mon frère, le KGB à son poste. Ahmed Konaté, mon général, sois salué. Nila Lyon, sois salué. Ma soeur, ma maman, Eleonore Kwame, sois salué depuis ta bord, depuis ta position. Je salue aussi mon frère Peter 007, le Mamou, sois salué depuis ta bord, depuis ta position. Convoquez tous les soroïstes, venez. Ok, Soumaoui, sois salué. Le photo Mougou, Amo Djaki, sois salué depuis ta position, depuis ta bord. Le KGB à son poste, je suis à mon poste, et puis ça va chauffer ce soir. Oui, commencez à porter vos manteaux. Parce que vous allez avoir beaucoup de frayeur et de chaleur à l'intérieur. C'est important. Parce qu'il fait froid à Paris, il fait froid aux États-Unis, il fait froid partout en ce moment. Sauf en Côte d'Ivoire. Donc vous, en Côte d'Ivoire, portez vos débardeurs et puis asseyez-vous bien. Bien sur votre tabouret pour suivre le direct de KGB le Gourou. Je suis à mon poste, c'est KGB le Gourou encore, soldat de GKS. Si je suis à mon poste et puis ça ne chauffe pas, j'ai dit partagez ce direct-là. C'est un direct de taille. Moi, je ne suis pas ici pour m'amuser. Ok, partagez, invitez vos amis. C'est important. C'est très important. Oh, mon frère Raphaël Djéry, sois salué, mon frère. Désolé, je t'ai oublié. C'est un combattant aussi. Mon frère Victoire Angervé, Kwaku, vous êtes salué. Soyez salués depuis vos positions, les frères. J'aimerais saluer aussi la Doom Team, Naomi VTD, Ball Black Modo, mon vieux père, Oko Sissi Baba Nicolo. Soyez salués. Hamilton Dexter. Je suis à mon poste, le commandant, le KGB à son poste. Partagez, invitez vos amis, mettez le cœur pour sécuriser ce direct-là, parce que l'État de Côte d'Ivoire même risque de bloquer ce direct. Je suis assis sur mon tabouret, et puis il a cassé le papeau. Partagez la vidéo, invitez vos amis, faites monter le mercure. Je ne peux pas comprendre que KGB est le gourou en direct, et vous êtes assis là, vous ne partagez pas le direct de KGB. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas dans, chez vous. Hein? Ah, ou bien vous n'êtes plus à moi. Ou bien vous ne voulez plus me suivre, vous ne voulez plus parler à moi, dites-moi. J'aimerais saluer ici Anelka, Vladimir Poutine, soit salué champion. Le KGB à son poste, ok. Amédée Azoumano Kone, soit salué mon frère. Oui, depuis Dabou, soyez salué et j'aimerais vous dire de rester serein. La bataille n'est pas loin, ok, d'atteindre son apogée. Donc, soyez sérieux. On maintient le cap, la pression. Je vous l'ai dit, il n'y a même pas deux jours de cela que Hassan Namo Ouattara est fini. Je vous l'ai dit en vérité. Les gens pensaient qu'ils m'amusaient. Et je vous ai dit, j'ai dit à Apollo. Apollo pensait que je m'amusais. Mais aujourd'hui, là, il est en train de courir par là, d'abord pour aller demander pardon. Ça se passe, les gars. Quand le KGB soit et puis parle, là, prenez ça au sérieux, c'est important. Je suis assis sur mon tabouret et puis ça ne chauffe pas. Voilà. Quand il vous dit que les drones sont debout, là, les drones sont debout. Hassan Namo Ouattara a déclaré la guerre aux soroïstes. Parce que quand il déclare la guerre à notre leader,
c'est que tu as déclaré la guerre à ce communicant. Emmanuel soit salué champion depuis ta position. Envoyez ça partout en Côte d'Ivoire. Ce direct-là, c'est un direct de taille. C'est un direct. C'est inédit. Inédit. Invitez même Guillaume Soro si vous pouvez. Invitez-le, c'est important parce qu'il faut qu'il vienne sur ce direct-là. Il verra que KGB est vraiment à son poste et ça ne chauffe pas. Je suis aux États-Unis. Je ne suis pas ici pour m'amuser. OK? Quand j'ai décidé de rentrer dans la sphère, je suis venu avec le cœur. Je ne suis pas venu avec. Avec les yeux. Non, je suis venu à mon cœur. Je suis venu à mon cœur et j'y adhère. En maintenant que Keïta soit saluée, je fais un coucou à ma petite. Ok, joyeux anniversaire à elle. Il faut lui dire que je lui fais plein de bisous. Le KGB à son poste et puis ça ne chauffe pas. Partagez, invitez vos amis. Le direct va commencer dans quelques instants. Je vais vous chauffer un peu vos crampons à la chanson du ralliement. Ok, j'insiste pour que vous partagez. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Ok, je suis prêt. Je suis prêt à parler. Et Hassan Dahmon Ouattara, je sais que dans sa tour d'ivoire, il va trembler aujourd'hui. C'est moi ici. Moi, j'essaie de vous parler. Protéger ce direct-là, c'est un direct de framponnage. Oui, c'est un direct de taille. Il faut protéger-le au maximum. Je suis assis sur mon tabouret, les gars. Je suis trop serein. Trop serein. Parce que demain matin, ça sera inédit. Demain matin, ça sera inédit. Estime le combattant soit salué. Demain matin, ça sera inédit. Je viens de vous dire qui a tué le commandant Ouattaro. Je viens de vous dire ça demain matin. Donc, préparez bien vos tabourets. Le KGB à son poste. Demain matin, je viens de vous dire qui a tué Ouattaro. Le commandant Ouattaro, là, qui l'a tué. J'ai le nom de la personne. Ok? J'ai ceux qui ont comploté le coup pour le tuer. J'ai toutes les informations en ma possession. Moi, c'est KGB le gourou. Soldat de GKS, je suis toujours à mon poste. Je suis aux États-Unis, mais c'est pas normal. Voilà. C'est pas du tout simple. Allons-y, partagez, invitez vos amis. Avant de commencer ce direct-là, je vais vous dire quelque chose. Il faut partager, partager. Manu de, Manu de la Salso, moi-même, t'as donné un nouveau nom. Manu de la Salso, sois salué. Depuis Palma, on est ensemble. Mon corps là, quoi, camarade, le KGB à son poste. Partagez, invitez vos amis. Chaussez les crampons, faites monter le mercure. Chaussez les crampons, faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Voilà. Faites monter le mercure, c'est important. Partagez, invitez vos amis. Partagez, invitez le KGB à son poste. Partagez, invitez. Faites monter le mercure. Partagez, invitez. C'est un direct de framponnage. Alassane Dahmon Ouattara a déclaré la guerre à notre leader, nous aussi on lui déclare la guerre. C'est tout. Partagez, invité. Abdul Karim, mon frère, sois salué. Le KGB à son poste. Sois salué à toi, mon frère, depuis Abengourou. Oui, demain matin, chausser les crampons. Parce qu'on doit framponner le vieux là. On doit le framponner. C'est pas un débat. Hein? On doit le framponner. Lui là, on ne va pas le laisser. On peut le laisser. J'ai vu une petite émission qu'ils sont en train de faire sur les. NCI là-bas, les Alafé, les quoi de droits de l'homme, quoi, c'est n'importe quoi. Ça, c'est du cinéma. Voilà, c'est du cinéma. J'ai vu le préfet Tobi bien cravaté là-bas. J'ai vu un frère qui a bien un habit Senufo là-bas. Tout ça, moi, j'appelle ça du fla-fla. Voilà. Parce que quand Ouattara a commencé à mener sa dictature en Côte d'Ivoire, personne ne disait un mot. Tout le monde était bobo ici. Ne venez pas nous emmerder les émissions à la con. Partagez-moi ce direct-là, faites-le monter. C'est pas un débat. C'est pas un débat, faites-le monter. Voilà, faites-le monter. Nous, on n'est pas dans du fla-fla, on est dans quelque chose de sérieux. Et je demande à tous ceux qui viennent sur ce direct-là, likez ma page et mettez le cœur. Demain matin, il y a un direct de taille. Où il y a tout fait pour me lever tôt demain. Aujourd'hui, je ne travaille pas. Demain, il y a tout fait pour me lever tôt. Le matin, très tôt. Parce que ce direct-là, je dois le faire. Je dois le faire. Je vais framponner Ouattara. C'est pas un débat. Je suis assis sur mon tabouret, les gars. Je suis assis sur mon tabouret. Il y a le framponné. Quand tu attaques mon leader, moi, c'est à toi, mon vieux. Parce que quand tu deviens amnésique, il faut qu'on te rappelle un peu où tu es quitté. Voilà. C'est pas parce qu'on parle pas que tu penses qu'on est bête. C'est pas parce qu'on parle pas que tu penses qu'on ne sait pas ce que tu fais. Mon vieux, on est assis sur notre tabouret. Toi, là, on t'avait déjà scéné depuis longtemps, mais on était en train de te regarder où tu étais parti. Voilà. On te regardait où tu partais, là. On était en train de te regarder. Parce qu'il fallait, quand on m'envoie une requête là sur toi, là.
Ça, c'est bien ciblé. On te tape là où ça fait mal. C'est là-bas, ça, c'est ce qui va se passer tout à l'heure. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Voilà. Oui, c'est notre pays, mon frère. Il n'y a rien. C'est notre pays. Doumbiazou, le Gangamba, soit salué. Soit salué, mon frère. Et la tour de rectification, il faut nettoyer ici, là. Les gens qui viennent parler au hasard ici, là. Moi, je parle à un camarade. Donc, il faut faire le nettoyage. Ok, ceux qui viennent m'insulter ici, il faut les nettoyer vite, vite. Moi, je suis pas là pour m'amuser. Voilà, moi, je fais mon travail. Chacun a son poste. Ok, Dieu ne me paye pas. Donc, quand je viens m'asseoir comme ça, là, je suis à l'aise. Je suis trop content, quoi. Ça, vous voyez un peu, je suis trop content qu'il vienne parler, là. Bonsoir à vous tous. On va démarrer le direct. Les autres vont nous prendre au coup. Donc, désolé pour les jaloux. Si vous voyez le direct en retard, c'est vous. Zach, pas la porte. Alors, laissez-moi me concentrer sur le direct. C'est un direct qui est important. C'est un direct d'information. On va parler. Avant tout propos, hier, j'ai fait une erreur de communication que je veux rectifier. Ok? Le nonce apostolique est décédé dans un accident après être empoisonné. Mais l'accident a été provoqué par le gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est ce que je voulais rectifier. Ok, il est décédé dans un accident qui a été causé par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Je sais de quoi je parle. Je ne vais pas rentrer dans les papos ce soir. J'ai laissé ça, ça n'a qu'à dormir d'abord. Ok, hier, il a laissé ça, ça n'a qu'à dormir d'abord. Voilà, hier, il a laissé ça, ça n'a qu'à dormir. Mais ils ont empoisonné un chef religieux. Je suis en train de traquer son nom. Dès que je trouve son nom, je vous fais sortir ça. Ne vous inquiétez pas, je suis à mon poste. Ok, je suis à mon poste. Voilà, Marie Grâce Divine soit saluée depuis ta bord, depuis ta position. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Le KGB à son poste. Ça fait pour bientôt maintenant près d'une semaine que je suis en train de parler du cas de Ibé, au frère de Séguéla. Quand je le fais, les gens pensent que c'est parce que je suis bête, non? Je suis en train de vous donner des détails, ok? En profondeur de l'histoire, la plaie est grande, la plaie est très grande. Et il fallait que je m'exprime dessus. C'est important. Ceux qui ont monté ce coup-là pour éliminer Ibé, c'est bel et bien, comment il s'appelle, Ahmed Bakayoko. Et celui qui a été au front, à la tâche, Zakaria, mais celui qui a tué même Ibé, c'est son élément, il s'appelle Kone. Vous, je sais de quoi je parle. Zakaria sait de quoi je parle. Et il sait que c'est pas du jeu. Voilà. Zakaria me suit. Il me suit beaucoup. Il suit beaucoup mes directs. Ok, il dit qu'il est chasseur, il est dozo. Voilà, s'il était vraiment dozo, il allait m'éliminer depuis ma base. Il ne peut pas. Parce que moi, là, je suis à mon poste. Et puis, connais Zakaria, là, dites-lui que je pisse sur sa tête. Allez, je lui dis ça. Je pisse sur toi, mon vieux, et puis ça ne chauffe pas. Il n'y a rien. Tu connais l'affaire, là, mon vieux. Tu es un plaisantin. Tu es un gros chat. Le 23 décembre, c'est toi le même qui a voulu éliminer Guillaume Soro. C'est toi qu'on envoie, le barbouze. C'est toi qu'on envoie à chaque fois pour aller faire les sales missions. J'ai parlé de toi ce soir. Faut doser. J'arrive vers toi. Bonsoir à vous tous. Partagez la vidéo. Invitez vos amis. Mettez le cœur. Protégez le direct. C'est important. Affaire IB. Suite et fin. Aïe, aïe. IB. Les gens ont voulu faire croire que c'était le palabre en Ibé était un palabre de leadership. C'est archi faux. Je vais m'exprimer ce soir en toute vérité, en toute clarté devant vous. Monsieur Ibé, ok, voulait à tout prix prendre le pouvoir. Alors qu'ils avaient bien été envoyés par monsieur Alassane Thamon Ouattara. Je dis bien, partagez la vidéo, invitez vos amis. Je ne suis pas là pour m'amuser, je suis très sérieux. Partagez la vidéo, invitez vos amis. C'est important. Alors, donc quand M. Ibé a tenu la réunion avec tous les chefs de guerre que vous connaissez, ils sont là, c'est vérité inattaquable. Je suis en train de parler. Il a dit que lui va faire combat pour quelqu'un. Quand lui va vivre, on doit faire le combat là. Lui, le combat là, c'est lui qui doit être le président. Et comme en 99, rappelez-vous que Guéï était au pouvoir, ok, Guéï était au pouvoir
par le biais de M. Alassane Damon Ouattara. Et comme ça a capoté, et comme les choses n'ont pas été comme Alassane Damon Ouattara voulait, et que Guy Robert, comme il est arrivé au pouvoir, il s'est senti à l'aise, il n'a plus voulu quitter le pouvoir. Donc c'est en cela que Guy Robert, ok, a dit à Gbagbo que non, tu vois, écoute, on fait notre deal nous deux, mais Alassane Damon Ouattara, on le met out. Et c'est ce qui a énervé Alassane Damon Ouattara. Voilà pourquoi Guy Robert a été tué par Alassane Damon Ouattara. Il a demandé qu'on le tue. Je vous le dis en vérité, ici assis sur mon tabouret. Alassane Damon Ouattara, aujourd'hui là, on parlait. On cassait les papous. Faut te préparer. Ok? Ma doublure, il t'a dit faut faire le travail. Je ne sais pas pourquoi ma doublure là-même est comme ça. Ma doublure, qu'est-ce que tu fais? Faut faire le travail, champion. Il y a ma doublure sur le direct. Il doit faire le travail. Moi, il n'y a plus besoin de toucher. Quand il a appelé, il a dit que c'est un direct de taille. Il n'a qu'à nettoyer le direct là. Ceux qui viennent et puis viennent verser leur bille, au lieu de chercher à comprendre l'histoire, moi, je ne suis pas là pour m'amuser. Laissez-moi me concentrer et vous expliquer cette histoire-là. C'est très sérieux. Ok? J'ai plein d'informations à vous donner. J'ai des alertes, tout ça. Donc, si vous ne voulez pas qu'on aille vite, ok, quand je comprends cette vidéo-là, pour vous expliquer rapidement les choses, ça a chauffé. Donc, laissez-moi le temps de vous expliquer les choses. Donc, ayant convoqué tous les chefs de guerre, ok, ils étaient bien assis là. Ibe leur a dit, il ne peut pas combattre pour Alassane Damon Ouattara. C'est fini par 199 là. Voici ce qui s'est passé. Donc, lui, il n'est plus prêt. Que s'il doit combattre là, Guillaume Soro va être son premier ministre. Parce que Guillaume Soro, ce que vous ne savez pas, a été envoyé justement dans le dispositif par Alassane Damon Ouattara pour casser Ibe. Parce que Ouattara avait déjà eu sa dose, ok, avec le dispositif de 99. Donc, il ne voulait plus de militaires. Je suis assis sur mon tabouret, hein. Ok, je suis assis sur mon tabouret. Et prenez le temps d'écouter, partager le direct, inviter vos amis. Il y aura, c'est une série de cassements de papos. Ok, c'est une série de cassements de papos. Il a fait le travail. Merci, ma double d'être présente. Faut casser les, faut gâter tout ici et puis on partit. Voilà. Donc, quand Ibe a donné cette information à Guillaume Soro lui a dit non, je suis désolé, moi je n'adhère pas à ça. Je ne suis pas un traître. Je ne suis pas un traître, je n'ai pas l'âme d'être un traître. On est en mission, donc tu fais ton travail ou tu ne veux pas le faire, tu quittes là. Ne nous dérange pas, laisse-nous travailler. C'est comme ça que les petits quiproquos ont commencé entre Guillaume Soro et Ibe. Mais ce n'est pas des quiproquos qui pouvaient jusqu'à aller envoyer à ce que quelqu'un tue son ami. Non. Loin de là. Loin de là. C'est vrai, il y avait effectivement un problème entre Guillaume Soro et Ibe. Mais c'était pas l'objectif de Guillaume Soro n'a jamais été de tuer Ibe. Il avait les moyens de le faire. Ça, je ne vais pas vous le cacher. Il avait le moyen de le faire. Mais il ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait. Au contraire, il a tout fait même pour mettre un peu le bâton dans les roues de eBay. Parce qu'il a dit, il avait déjà signalé au patron, qui était Ouattara, que eBay était une traite. Que voici ce que eBay le temps de le dire. Donc, ils ont mené des actions. C'est là que Ouattara a actionné okay, la France. Pour dire que le coup d'état de 99, c'était Ibe, donc il fallait le bloquer à Paris. C'est comme ça que Ibe s'est retrouvé bloqué à Paris. Je vous donne des informations capitales. Prenez le temps d'écouter, c'est important. Alors, le frère Ibe est rentré dans sa tour, très fâché, était à Paris là-bas, a commencé à mettre un peu... mener un peu d'action parce qu'il avait des hommes sur le terrain. Il avait bien des hommes sur le terrain. Et ce qui a fait que en 2007, lors de l'attentat du Faucasson, ok, Monsieur Ibe a été utilisé. Ok, pour pouvoir attaquer Guillaume Soro. Mais en toute réalité, le palabre entre Ibe et Guillaume Soro, c'était bien, l'auteur était bien M. Alassane Damon Ouattara, et il sait de quoi je parle.
il sait de quoi je parle. Sandamo Ouattara sait très bien de quoi je parle. Ok? Et il est au courant. Il est au courant. C'est pour ça que Guillaume Soro a toujours gardé son calme. Il n'a jamais voulu rentrer dans les discours inutiles. Parce qu'il avait une mission. Comme il aimait si bien le dire, je suis un homme de mission. Et je reste concentré sur ma mission. Et donc, c'est ce qui a fait que, en 2011, ceux qui se sont mis maintenant derrière pour taper IB, parce que IB refusait, okay, de se rendre, je vous donne une information capitale, IB refusait de se rallier à Ouattara. Et c'est en cela qu'il s'est proclamé président de la République de Côte d'Ivoire un temps, parce qu'il savait que Ouattara et Gbagbo étaient dans un quiproquo difficile. En ce moment-là, tout le monde sait, connaît l'histoire, c'était difficile en ce moment. Donc il fallait que IB utilise cette malice-là maintenant pour lui pouvoir se positionner. Et comme Ouattara a su ça aussi, il a actionné sa babouze qui est en bac pour faire le travail. Mais malheureusement, IB est mort. Guillaume Soro n'a jamais voulu la mort de IB. Au contraire, Guillaume Soro même voulait bien discuter avec IB pour qu'ils puissent se comprendre et marcher ensemble. Mais comme ce n'était pas du goût de Ouattara, parce qu'en 2011, il a trouvé que IB était un traître, une fois de plus encore, donc il fallait l'éliminer. Donc ceux qui accusent Guillaume Soro d'avoir tué IB, je vous dis, je répète, c'est archi faux. J'ai fait des vidéos, je suis rentré en profondeur, j'ai expliqué, allez-y suivre mes vidéos et vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. C'est là la fissure, ok? La seule fissure entre IB et Guillaume Soro, c'était que IB voulait, à coûte que coûte, devenir président et mettre Guillaume Soro comme premier ministre, ce que Guillaume Soro refusa spontanément. Et donc, IB était vraiment très fâché, très remonté. Donc, le chapitre IB n'est pas totalement fermé. Je vais passer à la deuxième attaque, qui est l'attaque du Faux-Caisson. J'ai le nom. Je sais qui est derrière, c'est IB. Mais je vais vous donner qui a tiré la lance-roquette sur le jet privé de Guillaume Soro. Et pourquoi ils ont tiré sur l'avion de Guillaume Soro. C'est lors des médiations que M. Guillaume Kibafori Soro est en train de mener pour la libération totale de la Côte d'Ivoire et passer à un régime normal. Parce qu'on était dans une rébellion et il y avait le pouvoir en place de Gbagbo de l'autre côté. Il fallait remettre un peu les choses en ordre. Donc Guillaume Soro a pris son beau-frère Désiré Tagro. Ils se sont assis, ils ont discuté longuement. Et Désiré Tagro est parti faire le retour à Gbagbo Laurent pour dire « Ah, que j'ai bien parlé avec tes petits, il a vraiment bien parlé de toi, Guillaume Soro. Vraiment, je veux qu'on travaille dans cette lutte-là pour essayer de faire revenir le jeune homme à la maison. » Mais Guillaume Soro, c'était un plan stratégique qu'il avait mis en place. Ok, donc il savait ce qu'il faisait. Mais le vrai problème, c'est que au RDR, les Amadou Gon, les Bakongo, tout leur staff là, ok, étaient contre ce projet-là. Mais ce que vous ne savez pas, quand Guillaume Soro a lancé les hostilités pour la paix avec le président Gbagbo Laurent, sachant très bien que ses compères de lutte étaient dans une autre phase dynamique parce qu'ils ne voulaient pas discuter. Et ce que Guillaume Soro n'aimait pas, Guillaume Soro a pris le bâton de pèlerin et allé discuter avec Gbagbo Laurent. Et ils ont convenu, ils ont fait la flamme de la paix
à Boaké où les Guillaume seront en fait brûler des âmes là-bas. Rappelez-vous même que le président Sassou Nguesso était là, Bagbo Laura lui-même était là, les Blé Goudé, tous ils étaient là. Rappelez-vous bien de ça. Ensuite, Guillaume Soro, ayant touché certaines personnes pour aviser Ouattara, Ouattara ne voulait rien savoir de cette union entre lui et Gbagbo Laurent pour essayer de trouver un dénouement à la crise politique qui était là. Lui-même s'est déplacé, Guillaume Soro, pour aller voir Hassan Ouattara, qui a dit non et non. Jamais de la vie, il va discuter avec Gbagbo Laurent. Écoutez bien ce que je viens de vous dire, c'est très sérieux. Prenez le temps de suivre mon direct, c'est un direct de taille qui est important. Enan Eli, sois salué champion, merci pour ce que tu fais au niveau de la Tunisie. On est ensemble champion, c'est jusqu'à la gare. Merci beaucoup, merci brave combattant. Donc, les Ouattara ayant refusé, Guillaume Soro ayant donné sa parole aussi au président Gbagbo, s'est engagé. Il est allé au fond. Et les choses ont commencé à changer de visage. En temps, les caciques du RDR okay, étaient en train de dire que Guillaume Soro était une traite. Rappelez-vous qu'en 2011, Guillaume Soro a répété ça aux gens. Il a dit que vous avez dit que j'étais une traite. Rappelez-vous bien de ça. Je vous rappelle à vous aussi. Les gens ont dit que Guillaume Soro était une traite. Alors que Guillaume Soro était dans un plan stratégique avec Laurent Gbagbo pour faire le travail de fond. Mais malheureusement, les caciques du RHDP, les illettrés du RDR, pardon, les caciques du RDR, les illettrés du RDR n'avaient rien compris en ce moment. Ils étaient gamés et dans leur tête, c'est la guerre, c'est la guerre. Ils veulent tuer tout le monde, ils veulent tuer le peuple de Côte d'Ivoire et ils ne pensent même pas un instant, ok, à la paix dans notre pays, la stabilité. Guillaume Soro étant ivoirien, a dit non, lui ne va pas s'inscrire dans cette dynamique. Il a appelé certains de ses camarades de lutte, pour leur faire part de la situation. Ils ont dit non, président, monsieur le Premier ministre, tant que vous êtes dans la danse, nous, on est avec vous. Guillaume Soro a dit merci pour votre soutien. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à faire. Ils ont commencé à marcher ensemble. Donc en 2017, Hassan Damon Ouattara monte. eBay qui revient en force. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il y a une parenthèse qui allait s'ouvrir sur eBay. Il ouvre la parenthèse sur eBay et eBay active tous ses éléments pour tout faire pour éliminer Guillaume Soro. Et en temps, le matin, avant l'arrivée de Guillaume Soro, Ouattara qui ne se sentait pas bien, certains de ses éléments l'ont appelé. Pour lui dire que, patron, il y a le boss qui arrive. Mais ça ne sent pas bon dans l'air parce qu'on sent des mouvements bizarres là. Il dit, bon? Donc c'est là qu'il a chaussé les crampons lui-même et puis il était sur le terrain. A trouvé de la souhaité, soit salué, champion, grand combattant. Quand je fais comme ça là, ce sont nos combattants. C'est-à-dire que ceux qui combattent avec nous, voilà, ceux qui sont avec nous, ceux qui font les vidéos, les framponnages, c'est pour ça, c'est comme ça que je les salue. Okay? Il y a nos moments qui cherchent nos vidéos en tas. On les salue aussi, comme Omar Inan Keïta, comme Yereba Iye, comme Adel Sissé. On les salue parce que sont nos combattantes. Elles sont bien dans l'ombre, mais elles font un travail formidable. Ok? Les moments bien à Koukounio et autres, ça c'est la Dream Team. Donc soyez salués à vous tous. Alors, je continue ma chevauchée. Donc, Ouattara chaussa les crampons et s'est mis en ordre de bataille avec ses éléments. Sur la route, même pour aller à l'aéroport, ils ont été attaqués. Kiba Fori JR soit salué. Tu es en retard, tu as amendé. Ils ont été attaqués et ils ont riposté violemment. Donc, il y a même un de ces éléments qui a dit au colonel que ah non, que ce qui se passe, c'est qu'à l'aéroport là-bas, c'est pas bon. Dans le temps qu'ils vont informer Guillaume Soro, l'avion avait déjà atterri. Donc, ils sont venus en plein. À l'aéroport là-bas, ils ont activé tout le monde, tous les autres comme zone, pour leur dire que ah, c'est chaud, il y a une attaque imminente sur le président Guillaume Soro. Donc dès que l'avion a atterri net, ils ont eu le temps d'appeler Guillaume Soro, mais c'était déjà trop tard. C'est en cela qu'il va vous donner le nom du tireur, parce que j'ai son nom ici. Celui qui a tiré sur le faux caissant, c'est le dénommé Bauer. Ok, c'est le dénommé Bauer qui a bombardé
ok, le faux caisson, un des éléments de Kone Zakaria, ok, un des colonels de Kone Zakaria. Champion, je n'ai pas besoin d'être là-bas. Dumbia Siaka, je suis en train de relater les faits. Et je mets quiconque au défi. Oui, je mets quiconque au défi. Je parle avec des noms, je parle avec des preuves. Si vous pensez que mamie, demain, il a sorti les dossiers. Ce n'est pas un débat. Ali dit à Draman que quand il a lancé l'assaut, qu'on a leader, nous aussi on a assis sur nos tabourets et puis on le fait un poney. Voilà, on lui montre qui il est. On lui montre qui il est. Hassan Dahmé Ouattara, on va te montrer qui tu es. Vieux voyou, vieux vampire, vieux assassin. Tu es un assassin, Hassan Dahmé Ouattara. Après avoir voulu détruire notre nation, tu veux détruire même ceux-mêmes qui t'ont aidé. Tu es méchant. Tu es sorcier. Moi, je vous le dis en vérité, c'est un sorcier. Mettez le cœur, mettez le cœur. Il n'est pas encore fini. Mettez le cœur, les gars, mettez le cœur. Quand je vais à son poste. Donc, Bauer a bombardé l'avion. Les éléments de Ouattara ont commencé à faire le nettoyage aussi au niveau de, autour de l'aéroport. Et il y a une autre personne aussi qui était dans ce convoi-là de Kone Zakaria qui s'appelle Nita Meleke. Ok? Celui qui a tué les gens à Bobo, là, les gendarmes à Bobo, rappelez-vous de celui, ce monsieur-là, qui a égorgé les gens-là. Il a vu ses vidéos même sur YouTube. Ok? Il faisait partie du contingent de Kone Zakaria avec Bauer. C'est eux qui étaient là, au front pour allumer l'avion, le faux caisson de Guillaume Soro. Mais Dieu voulant, notre leader est sorti intact. Oui, notre leader est sorti intact. C'est ça qui est important, les gars. C'est ça qui est important. Notre leader est sorti intact. Voyez-vous, j'oubliais même encore, le fameux Nita Meleke fait partie des encagoulés en Côte d'Ivoire. Fait partie des encagoulés et c'est les microbes et les syndicats qu'on prend pour faire ce travail de sorcellerie là. Voilà pourquoi je vous ai dit que le débat qui s'est passé sur la RT était un débat fla-fla. Parce que depuis bien longtemps, Hassan Dahmé Ouattara dans sa dynamique de dictature, on n'a jamais vu ces gens-là venir s'asseoir sur un plateau de télé et puis dire au président de la République, tu veux vraiment la paix, il faut organiser les élections, ok, en toute crédibilité et tout va bien se passer. Tout ce qui est déjà passé en Côte d'Ivoire là va pas se passer. Ils n'ont jamais fait ça. C'est des sorciers. Moi, c'est comme ça qu'ils les appellent. Allez, là, qui s'assis sur mon direct là. Tous ceux qui étaient sur le plateau là. À part ceux qui reconnaissent que ce que Ouattara était de faire mauvais là. Tout le reste là, c'est des sorciers. Oui, c'est des sorciers. Parce que moi, j'ai été clair dans tous mes directs. J'ai été très clair. Hassan Dahmé Ouattara ne peut pas nous détruire pendant 10 années de guerre, venu au pouvoir lui-même fait 10 ans, est venu s'imposer à nous en tuant nos propres parents, en emprisonnant nos propres parents. Ça, c'est du jamais vu au monde. C'est qu'on est devenu fou. C'est en cela que j'ai rejoint mon commandant Dumbia Zoulé Gangamba, qui a dit que il n'y a aucune rébellion au monde quand tu la montes. Et toi, tu t'assois là, tu te mets à côté et puis tu laisses les gens prendre. Jamais. C'est Guillaume Soro seul qui a pu faire ça. Dans le monde, jamais vu. Jamais. Montrez-nous un pays où il y a eu rébellion. Où le chef de la junte a gagné la guerre et puis il a donné son civil. On n'a jamais vu ça. Jamais de la vie. Jamais. Voilà pourquoi je salue ici Babo Laurent qui a toujours salué Guillaume Soro pour son sens de paix. Parce que c'est un Ivoirien. C'est ça qui est la vérité. Guillaume Soro est un Ivoirien. Voilà pourquoi on vous parle, mais les gens n'écoutent pas. Les gens n'écoutent pas. Guillaume Soro n'est pas dans une situation où il veut forcément prendre le pouvoir. Il a dit hier. Non. Mais il veut qu'on instaure des valeurs à notre pays pour que les autres dirigeants arrivant
puisse prendre ce relais là et s'asseye dessus correctement et évite de créer encore le chaos dans notre pays. C'est en cela que je salue encore le leader générationnel Guillaume Kibafori Soro, qui a toujours appelé à la paix. Même quand il faisait cette tournée de paix, il a dit que les gars, le pouvoir là, ça blague. Hein? Le pouvoir, ça blague. Calmez-vous. Le pouvoir là, ça blague. Ça blague. Il faut vous calmer. Ayez un peu d'humilité. Je répète ces mots. C'est comme ça qu'il a parlé. C'est ces mots-là, moi, qui m'ont touché même envers Guillaume Soro. Il dit, ayez un peu d'humilité. Parce que c'est ça. Vous ne pouvez pas avoir combattu les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire, et venir au pouvoir, venir encore vous imposer en tant que dictateur, en tant que voyou, en tant qu'assassin, dans le propre pays, dans le pays que vous-même vous avez combattu, vous avez tué les enfants du pays, assassiné les Ivoiriens, et puis vous êtes en train de faire la grande gueule. Non, 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 non. On ne peut pas accepter ça. Voilà pourquoi je salue la grandeur de cet homme qui est Guillaume Soro. Je le salue. Oui, notre patron à nous, notre leader générationnel Guillaume Kibafori Soro, le KGB, le gourou, te salue depuis sa base, depuis les United States of America. Together in Ivory Coast, we will be strong. We will never give up. We will fight until we get what we want. That's a point. It's a big point. And thank you so much for the big fighting you started right now. Thank you so much. Thank you. On dira un jour merci à Guillaume Kibafori Soro pour ce combat qu'il est en train de mener pour la Côte d'Ivoire, pour l'union des fils et des filles de la Côte d'Ivoire. Oui, faut le saluer. Faut saluer ce monsieur-là. Moi, je le respecte. Je le respecte. Je respecte Guillaume Soro parce que c'est un combattant. Et le combat que nous sommes en train de mener, c'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire, hein? C'est pour l'Afrique de l'Ouest. C'est pour l'Afrique de l'Ouest. C'est pour toute l'Afrique que nous sommes en train de mener ce combat-là. Parce que de par la Côte d'Ivoire, beaucoup de choses vont changer en Afrique. Oui, de par la Côte d'Ivoire, beaucoup de choses changeront en Afrique. Parce que les Africains sont bonnés. Ce matin, à mon réveil, il y a un de mes frères qui est à Abidjan qui m'a envoyé un audio. Il m'a dit, écoute, quand j'ai appelé ma maman au village, voici ce qu'elle me dit. Quand on dit, est-ce que si on chasse Ouattara du pouvoir là, est-ce que, écoutez bien, c'est important d'écouter. Est-ce que on pourra avoir de l'eau? Est-ce qu'on pourra avoir du goudron? Est-ce que celui qui vient là, qui va venir là, est-ce qu'il aura l'argent pour faire ça? Aïe, aïe, aïe. J'ai compris automatiquement que voici ce que les électeurs du RHDP vont dire à nos parents. C'est ça le vrai problème de la Côte d'Ivoire. L'éducation. L'éducation est quelque chose de très important. L'éducation est quelque chose de très important. Donc vraiment, il faut qu'on revoie ça. Kanigi Soro, asseyez-vous bien, il a lui parlé. Dites à Kanigi Soro de venir sur mon direct là, il a lui parlé. Voilà, aujourd'hui là, c'est journée de framponnage. Voilà. Soulet de Paris, envoyé, ok, la balle en l'air, nous allons tirer. C'est pas un débat. On va tirer, on va chuter ça fort. Ça va aller où ça doit aller. Donc, convoquez bien le voyou de Kanigi Soro ici, parce qu'il a décidé de mettre ses amis en prison, ses amis d'hier en prison. Mais j'aimerais vous dire avant tout propos que toute la coordination ici au niveau des États-Unis, nous, on s'en fout de Kanigi. Allez-y lui dire ça. Qu'on s'en fout de lui. On s'en fout de lui. Toute la coordination du RACI USA. Nous, là, c'est Guillaume Soro. C'est Guillaume Soro, rien. On n'est pas dans tes IAI, là. Non, on n'est pas dedans. Parce que quand on est en train d'être recruté pour faire part du parti politique RACI,
c'était pour Guillaume Soro. C'était pas à cause de toi. J'étais à cause de toi. Non, on n'avait pas, on n'a jamais arrêté de racisme. Jamais. Jamais. Mais quand je te vois, tu t'assois. Et tu viens, tu mens. Comme un affamé devant le monde entier. Moi, j'aimerais te dire à toi, Kani, qu'il faut la fermer. Toi, tu es un xénophobe de merde. Voilà, toi, tu es un xénophobe de merde. Tu es honte. Tu me fais honte. Moi, tu me fais honte. Quand j'entends tes discours, j'ai mal aux oreilles. J'ai mal aux oreilles. Pas... Même ton dernier discours, là, je te dis, hein, je n'ai même pas écouté. Parce que je ne sais même pas ce que tu racontais. J'ai l'impression que tu fais un peu d'excès de poupou-nampou, deux jours là. Donc, tu t'assois là, tu racontes des balivernes aux gens. Et tu veux que nous, on t'écoute. Moi, quand je n'ai pas le temps pour te prendre, je ne veux pas prendre de mon temps. Ok? Je ne veux pas prendre de ma vie. En train de me consacrer au combat du leader générationnel, Guillaume Kibafori Soro. Et puis toi, tu me dis que oui, faut venir, tu allais voter Ouattara, même dans mes pires cauchemars. Jamais de la vie, jamais. Faut aller dire ça à ton Daman là. Jamais. Daman était un imposteur, c'est un voyou, c'est un escroc. C'est un assassin, c'est un terroriste. Jamais quand je vais se rallier à lui, jamais. Faut aller lui dire ça. Faut dire à Daman que je préfère même mourir aux États-Unis. Allez-y lui dire ça. Que moi, quand je préfère mourir aux États-Unis, que d'aller au pays là-bas. Je m'en fous de lui parce que je ne peux pas accepter okay, la dictature. Jamais. Allez-y dire ça à Daman. Je m'en fous de lui. Allez-y lui dire ça. Toi, Kani Kisso, toi, tu as venu parler, non? Guillaume Soro m'a donné 10 millions. Mais je vais vous poser même à vous-même la question. Mamadou Meïté et Ndati Okoné. Voilà, merci. Bon, attends. Je vais te répondre quand j'ai fini de parler à Kanigi. Voilà. Parce que avant, là, je mettais honorable Kanigi. Maintenant, là, je mets Kanigi. Parce qu'on s'en fout de lui. Il n'a plus rien pour nous. Mais j'ai lui parlé. Les 10 millions que tu dis que Guillaume Soro t'a donné, là. 10 millions, là, ça pourrait louer le local. Ok? Payer le local même si 2 ou 3 ans, ou même 4 ans. Tu comprends un peu? Le parti là, ça fonctionne, ça tourne bien. Les gens font le payer leurs cotisations. Tout cet argent là, tu as mis ça où? Je dis même que tu as payé les factures de courant, l'eau, l'électricité, tout ça. Tu es parti prendre ta maison. Les 10 millions, tu es parti fourrer ça dans les fesses d'une pétasse quelque part là-bas. Toi, tu as venu t'asseoir ici, venu raconter tes balivernes. Faut aller bouffer les 150 millions que tu as donné, puis il faut la fermer. Puis tu ne vas plus y recevoir d'eux. Voilà, faut prendre le jeton là, faut bouffer. Et puis tu la fermes. Et puis on ne veut plus t'entendre parler. Parce que moi-même, là, il y a Théry à Abidjan là-bas. Ce sera fort à toi et puis moi. Mais t'es déstabilisé, ce n'est pas un débat. Il y a tes mecs KO. Tu veux me plaisanter. En voici des gens. Je vais citer leur nom. Des Touré Alpha Yaya. De Oliver Taziré, de Meïté Sendou. J'oubliais même dans le faux qu'elles ont Meïté Sendou. Lui, il y a un aide de camp de Ouattara qui l'a fait sortir de là. Il n'a qu'à se rappeler lui et puis Alain Le Bougnon. Mais comme Meïté Sendou est une traite, il sera traité comme suit. C'est lui qui va s'asseoir dans les villages hein, d'Abengourou pour aller dire aux gens que oui, que lui, il était au GPS, lui, il est venu au RHDP. Il faut suivre le RHDP. Même qu'on est à un moment comme Meïté Sendou. Quand on vous donne le respect, vous n'aimez pas. Mais qu'on est Kanigi, mais qu'on est Meïté Sendou, mais qu'on est Oliver Taziré, mais qu'on est Touré Alpha Yaya, vous tous qui êtes partis au RHDP là, vous mères con. C'est moi, c'est KGB qui dit ça. Vous mères con. Oui. Quand on est poli, vous là, vous n'aimez pas. Quand on est intellectuel, vous là, vous n'aimez pas. Vous mères con. Parce que vous venez jouer à la sensibilité de la jeunesse. C'est vous là, les ventripotents, les voyous de notoire. Les chiens galeux, c'est vous qui vous amusez notre esprit. Et puis vous voulez nous distraire que non, nous, on n'a qu'à vous suivre maintenant. Parlez-vous là, vous des idiots comme ça, nous, on va vous suivre. Ah bon? Nous, on n'a qu'à suivre des idiots. On n'a qu'à laisser Guillaume Soro que vous avez tiré depuis longtemps pour lui dire non, vous sortez de RHDP, c'est mauvais là-bas. Oh non, dans tous, hein? Vous les voyez, non? Et tous. C'est eux qui étaient en train de tirer Guillaume Soro de sortir.
Donc Guillaume se ressort et il va mener, il a été mené le combat fortement. C'est à vous qui lui tournez le dos. N'importe quoi. Vous êtes une bande de malhonnêtes, une bande d'ingrats. C'est moi qui vous le dis. Vous êtes des ingrats, vous êtes des malhonnêtes, vous ne pensez qu'à vos intérêts. Chaque Ivoirien a un prix. C'est vous là. Tout avant, non, on a bloqué mes bois. Vous voyez, j'ai tellement parlé qu'ils m'ont commencé à me menacer. Donc bon, moi, je m'en vais. Pap, il est parti. Il est parti là, tous ses business, on lui a redonné, non? Olibeta Zéré. Oh non, bon, moi, mes écoles là, on ne veut plus me donner l'argent. Bon, ça ne fonctionne plus bien. Oh non, bon, paf, allons-y, il est parti. Mais il était Zendou. Non, lui, on avait déjà senti qu'il était un traître. Donc lui, on l'a laissé comme ça, il n'a pas parti. Djangone ou bien quoi là. Lui, il ne permet plus ses factures, même Morassi. Ils s'en foutaient. Faisaient tout ce qu'ils voulaient. Parce qu'il était déjà parti. Dernier Lis Kanigi et deux Zozo qui étaient assis à côté de lui. Moi, il a dit, moi, il m'en fout. Les gens se croient, si vous ne me parlez pas. Je respecte beaucoup un parmi vous, mais le reste là, je m'en fous. Voilà. Qui étaient assis là, grandement là, c'est eux qui font les discours d'après eux, des discours de révolution. Oh non, non, on va. Allez-y, vous faire foutre. Voilà, allez-y, vous faire foutre. Kanigi était un escroc, c'est un voleur, c'est un bandit. Moi, je le dis. Je m'en fous, il n'a même pas pesé les mots aussi pour lui-même. Jamais. Mon vieux, tu es un bandit. Je répète encore, tu es un bandit. Voilà, tu es un bandit. Et puis, elle te dit en même temps. Et moi, elle te dit, moi c'est pas du jour. Quand il rentre à Abidjan, tu as un coup de poing, moi. Moi, elle te dit ça. Faut bien noter. Prends un pic, un fait, il faut noter. Kanigi sort, quand moi, il rentre à Abidjan, toi, tu as un coup de poing. Moi, elle te donne ça. C'est pas un débat. Toi, seulement, elle te donne ça. Vous amusez avec l'esprit des enfants des gens. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Des imbéciles comme ça. Venez vous asseoir encore et puis venez raconter vos bêtises. Là, là, j'ai fait sortir la Thierry Lourdes. J'ai votre dossier. Vous tous avez votre dossier. Les trois mousquetaires qui étaient assis là. J'ai votre dossier. J'attends que tu sortes. Et puis, il y a ta lumière, non? Tu as toi-même assis là-bas, ils vont te pousser pour te jeter dehors. C'est moi qui te dis. Tu marches un canon, ils vont te lever canon et ils vont te pousser. C'est moi qui te dis ça. Quand tu es arrivé à Sirasso là, tu es parti tuer un chien noir, non? Kanigi. J'ai dit, il y a trop de papos sur toi, champion. Je suis assis sur mon tabouret. Moi, c'est KGB le gourou, champion. Quand il te lance là, il faut bien te lancer. Hein? Mais quand il ne lance pas bien, là, moi, il sort et puis il t'allume. Tu es parti tuer un chien noir, non? Ah bon? Tu n'as pas dit que tu es chien noir? J'ai m'arrêté au chien noir. Tous tes sacrifices là, je pisse dessus. Je pisse même ta tête toi aussi. Bande de connards. J'ai reçu deux alertes. Je vais m'arrêter sur lui ce soir. J'ai reçu deux alertes. Je vais vous faire part des alertes là. Il y a M. Ange Félix. Dacpri, ex-directeur de édition Fraternité Matin, qui a été enlevé cet après-midi à son domicile à Abidjan. D'ailleurs, le 22e, par une dizaine de personnes armées jusqu'aux dents, qui ont escaladé la clôture, cassé toutes les portes. Ils ont pris tous les téléphones portables, ordinateurs, du petit-fils de l'ancien ministre de l'Emploi, Patrice Kwame, ami intime du président Assane Ouattara. J'aurais même appris qu'on dit que c'est... comment elle s'appelle? Madame Raymond Koudou Kofi et M. Amédé Kouakou qui ont demandé son arrestation parce qu'il est soupçonné pour un coup d'État contre la République. Est-ce que vous avez bien compris le message? Est-ce que vous avez bien compris le message? Monsieur
c'est Angès Félix Dacpri, ex-directeur des éditions de Fraternité Matin. Il a été enlevé chez lui. Chris Yapi vous avait dit, dans ses révélations, qu'il y a une série d'arrestations. Les gens ont pris ça comme du jeu. Les gens ont pris ça comme du jeu. Et puis, il a bien dit dans le speech que des gens vont être touchés. Attendez. Il dit que y a des gens même qui ne pensent pas qu'ils vont être touchés, qui seront dedans aussi. Donc, Chris, il a pu vous dire que la liste que lui, il a là, c'est le nom que lui, il a officiellement. Que ceux qui n'ont pas cette leur nom sur la liste là, il ne faut pas vous penser qu'ils sont épargnés. En bon français, c'est ça. Ne pensez pas que vous serez épargné. Vous aussi, vous serez attaché. J'aimerais vous dire à vous tous. Je vais mener une enquête. Et il y a des gens qui m'ont dit que je mentais. Qu'en 2016, et j'ai les preuves que Guillaume Soro a été, je répète encore, j'ai les preuves. Amoudé Traoré, bon arrivé sur le dieu de KGB le gourou. Toi aussi, tu fais partie des encagoulés. Toi et les autres. Toi, je ne sais pas comment ils vont te faire. Il te dit ça, mais je ne sais pas comment ils vont te faire. Voilà, je ne sais pas comment ils vont te faire. Donc, il faut t'apprêter. Et sale petit mécanicien, idiot là. Allez-y, prendre les gens, ramassez-les. C'est vous qui êtes devenus des convoyeurs. Ok? Ramassez-les. Prenez. Vous, quand je vois à la maison, là, couchez-vous et puis dormez. Hein. Ils vont, c'est comme ça qu'ils vont vous ramasser. Ils vont vous prendre. Ils vont vous prendre comme des chiens. Je vous l'ai déjà dit. Que Ouattara est dans sa dynamique de dictature. On dit qu'ils ont arrêté un gars du PDCI aussi. Que j'ai pas pu envoyer son nom sur mon deuxième téléphone. Ils ont arrêté un gars du PDCI aussi. Ils ont arrêté quoi, Justin? Ils ont arrêté plein de gars. Ils ont arrêté beaucoup de personnes. Ils ont arrêté même une dame aussi du PDCI qui était à Dalwa Gagnoua. Elle a été arrêtée aussi. Tous les mobilisateurs, je vous l'avais déjà dit. Ok? Je vous l'avais déjà dit. Que vous serez tous arrêtés. Je vous ai dit ça. Les gens pensaient que c'est... Quand je parle, quand je m'assois et puis je prends mon temps pour vous faire une vidéo de taille, les gens pensent que j'essaie de m'amuser. Alors que je vous ai dit, en toute réalité, que vous allez être arrêtés. Mais vous n'aimez pas la vérité, vous les Ivoiriens. Vous aimez qu'on vienne vous attacher comme des chiens. C'est ce que vous aimez. Alors que moi, je vous dis la vérité. Moi, je vous dis la vérité. En 2016, Guillaume Soro a bel et bien été empoisonné par le couple Ouattara. Voilà, il a été empoisonné par le couple Ouattara. Je suis allé faire même, il a mené encore d'autres recherches. Vous pensez que je suis là pour m'amuser? Chacun fait son travail. Je suis assis sur mon tabouret, puis ça ne chauffe pas. Un avion présidentiel refusé au pan Guillaume Soro parle pour la première fois. Quand Guillaume Soro a commencé à parler, voici l'article ici. Quand Guillaume Soro a commencé à parler, il n'a même pas voulu parler de cette affaire. Jusque les journalistes, même dans le récit, ils ont dit que non. Qu'entendre son discours, il dit non, il parlait de paix. Parce que justement, Guillaume Soro avait été empoisonné. Je le dis en toute vérité et en toute crédibilité. Guillaume Soro lui-même, je vais lui donner la primeur, il va s'exprimer là-dessus. Il n'a pas voulu parler de ce sujet-là. C'est le roi du Maroc qui a sauvé la vie à Guillaume Kibafouri Soro, le roi du Maroc. C'est lui qui lui a sauvé la vie. Guillaume Soro a couru dada, aller au Maroc pour aller se faire soigner. Photocopie avait refusé de donner la vie à Guillaume Soro parce qu'il savait qu'on lui avait mis le poison. Oui. Et je l'ai dit hier encore, que vous les corabiez qui avaient l'argent. Maintenant, là, le poison, là, c'est sur enveloppe en main. C'est sur enveloppe en main. Quand ils ont empoisonné Maman Dagui Diabaté par le biais de l'enveloppe qu'ils voulaient envoyer à Bédier,
pour l'empoisonner. Bédé n'a pas voulu ouvrir l'enveloppe. C'est Dagui, c'est Kandia Kamara qui dit non, comme tu es la grande soeur, vous prenez, il faut ouvrir. Elle savait, Kandia savait ce qu'elle faisait. Kandia savait très bien ce qu'elle faisait. Donc elle a empoisonné la vieille mère. Comme tu es la grande soeur, il faut lire. Donc quand la grande soeur ouvre l'enveloppe, elle a pris le poison en plein dans le visage. C'est comme ça qu'ils ont fait à Kassaraté, Tiapé, Edouard. C'est comme ça qu'ils ont fait à beaucoup de personnalités dans ce pays qui sont morts. Que peut-être aujourd'hui je vais taire le nom et que bientôt je sortirai les informations inattaquables. J'aimerais vous dire à vous tous que demain matin, vous aurez le nom de la personne qui a empoisonné Ouattara. Je suis assis sur mon tabouret. Je suis assis sur mon tabouret. Likez ma page, abonnez-vous à ma chaîne YouTube KGB Le Gourou, c'est important. Là, si on fait mon Facebook, vous savez automatiquement où je me trouve. Vous saurez où je me trouve. C'est du tic au tac. Maintenant, c'est du tic au tac. Voilà. Ouattara ne va pas nous fermer. On va toujours parler. Quand il ferme une porte, nous, on ouvre l'autre. Quand il ferme une porte, nous, on ouvre l'autre. Et puis, on assis sur notre tabouret, on le djinzé. C'est tout. On assis sur notre tabouret, puis on le djinzé. C'est jusqu'à la gare. C'est jusqu'à la gare. Je vois des commentaires ici qui me disent non, il faut venir à Abidjan. On va marcher. J'aimerais leur demander. Les microbes que les Kandia Kamara, les Ahmed Bakayoko, les Ouattara, les photocopies et les Apalo vont sortir sur vous là. Il y a les enfants dedans. Y a-t-il les enfants de photocopie dedans? Y a-t-il les enfants de Ouattara même dedans? Y a-t-il les enfants de Kandia Kamara dedans? Les enfants de Ahmed Bakayoko, comme qui s'est appelé la dissolution bien baratée, ils sont dedans? On vous parle de notre nation. De sauver notre pays, la Côte d'Ivoire, de ces pestiférés-là, de ces insectes, de ces microbes. Vous êtes en train de vous focaliser sur moi, ma personne. C'est dommage. En prenant à réfléchir, je fais mon devoir, j'ai accompli mon devoir de patriotisme pour la Côte d'Ivoire. Si je suis aux États-Unis, est-ce que je suis obligé de le faire? Non. Je peux vivre ma petite vie, mais je pense à mon pays. Parce que mon cordon ombilical vient de là-bas. Il a été coupé en Côte d'Ivoire. Donc quand je viens m'asseoir pour vous parler, ce n'est pas par plaisir, mais je viens vous inculquer le savoir. Et je vais répéter encore pour une dernière fois. Ça fait 10 ans de pouvoir, ça dans mon Ouattara au pouvoir. Il n'a rien fait pour les Ivoiriens. C'est de quelle émergence qu'il entend de parler. Son émergence à deux balles, là, c'est de quoi il parle. Venir encore nous mettre des goudons biodégradables, aller nous faire endetter, et lui-même venir construire ses propres entreprises, et nous prendre comme des larbins dedans pour travailler comme des idiots, ou bien permettre aux Ivoiriens de pouvoir gagner leur propre vie. Asseyez-vous et puis réfléchissez bien. Hassan Damon Ouattara n'est pas dans une dynamique de vous aider. Il est dans une dynamique de vous détruire. Qu'a-t-il fait pour les Ivoiriens depuis 10 ans? Qu'a-t-il fait pour les Nordistes? Ça fait 10 années de pouvoir. C'est maintenant Hassan Damon Ouattara dit qu'il va vous donner 10 ans de 10 millions d'emplois. Après 10 ans de pouvoir, lui, comme il veut un autre mandat encore, c'est pour ça qu'il tue nos parents, il tue Gon Coulibaly, il extrait Guillaume Soro. Il envoie des barbouzes même vouloir tuer Guillaume Soro. Il envoie des miliciens armés voulant aller faire arrêter Bédier. Voulant aller faire arrêter Babadou Koulibaly. Le siège du parti de Babadou Koulibaly encerclé depuis ce matin par des encagoulés. Hassan Damon Ouattara se fout de nous. Moi, j'ai vu son intervention dans leur Paris, mon ou bien quoi là. Mais moi, j'aimerais bien demander à Hassan Damon Ouattara. Lui-même, il est qui? Quand je vais prendre Guillaume Soro, je vais le mettre, il va faire prison à perpétuité. Toi, Hassan Damon Ouattara, depuis toi, tu es au pouvoir là. Depuis toi, tu as commencé à emprisonner les enfants de la Côte d'Ivoire. Qui t'a mis en prison? Qui t'a mis en prison, Hassan? Tu es trop méchant. C'est ton méchant. Tu es malhonnête.
Et je vous dis la vérité, Assane Dramane Ouattara n'est pas ivoirien. Voilà pourquoi il fait ces bêtises-là. Assane Dramane Ouattara n'est pas ivoirien. Parce que quand il veut ivoirien, là, en tant qu'il veut, il ne peut pas se comporter comme ça. Il ne peut pas. Mais il dit que oui, le 1er novembre, il va mettre tout le monde en prison. On t'attend. Alors, il dit à Assane Dramane Ouattara que nous l'attendons. Oui, nous t'attendons. Nous t'attendons fortement. Oui, nous attendons cette prison, ok, avec beaucoup de quintessence. Nous t'attendons. Et nous sommes serrés. Très serrés. Je pense que j'ai rectifié le tir sur le nos apostoli Madata. Je m'ai encore rectifié encore à vous tous, pour ceux qui vont suivre ma vidéo d'hier. Ok, j'ai fait une erreur de communication. Il y a un archevêque qui a été empoisonné par le pouvoir d'Abidjan. Mais je trouve son nom, je reviens vers vous. Ce n'était pas le nos apostoli. Le nos apostoli aussi s'est retrouvé dans un accident de voiture mort. Mais qui a été orchestré par le gouvernement Ouattara. Et j'ai les preuves de ce que j'ai entendu vous dire. Ok, et je vais vous déballer ça très bientôt. Ne soyez pas inquiet. Voilà, tout mettre. On travaille chaque jour, on travaille. Ça vient. Voilà, ça vient. Assane Dramane Ouattara ne peut pas dire qu'il est président de la Côte d'Ivoire et puis nourrir seulement que les gens du RHDP et puis nourrir pas les autres. On n'est pas obligé d'être au RHDP pour que tu nous nourrisses. Tout ça fait partie du pays. C'est comme aux États-Unis ici. Non, parce que Trump est républicain. Non, Trump va seulement nourrir les républicains et puis laisser les démocrates. C'est impossible. Trump est obligé, a le droit et le devoir de nourrir tout le monde. Et c'est comme ça. Voilà pourquoi je vous dis à chaque fois, ok, Assane Dramane Ouattara n'est pas du tout sérieux dans sa démarche, c'est malhonnête. Et aujourd'hui, j'entends beaucoup de personnes, oh les microbes, oh non, c'est Guillaume, il faut arrêter un peu, les gars. Des gens qui se à qui on donne notre argent, l'argent du contribuable, l'argent des Ivoiriens, se balader, se pavader avec des couteaux, des machettes, des voitures, des motos, des voitures immatriculées, Côte d'Ivoire, des motos, se balader dans le pays. Que la police, même quelquefois, escorte. Escorte, je vous le dis. On venait s'asseoir pour lui dire que non, que c'est Guillaume Soro. Ah bon? Donc vous avez dit que votre gouvernement et Guillaume Soro, ils travaillent ensemble alors. Votre gouvernement et puis Guillaume Soro, là, ils travaillent ensemble. Apprenez à nous respecter un peu. Apprenez à nous respecter un peu. Apprenez à respecter un peu notre intelligence. Ok? Apprenons à respecter notre intelligence. Moussa Asta, comme tu viens d'arriver, que tu ne me connais pas, moi je suis KGB Le Gourou, dit Daniel Klibali sur les réseaux sociaux, et ivoirien de père et de mère. Mon père est décédé en 2017, de suite d'une maladie. Comme tu veux que tu n'étais pas hier, te parler. Mon père est décédé. Donc, tu dis que sois salué depuis ta bord, depuis ta position. On est ensemble, la maman. Et je suis de Sidi Machali. Mon village à moi, c'est Kapoka. Tu as toutes les informations maintenant. Donc, tu peux maintenant te masturber avec. Tu peux continuer d'insulter mon père, mais malheureusement, il est décédé. Ça me fait vraiment mal, mais bon, je vous comprends. Vous êtes beaucoup émotifs ici. Quand vous venez, quand on entend vous dire la vérité, vous pensez que c'est parce qu'on entend s'amuser. Non, on n'est pas s'amuser, on vous parle sérieusement. Vous parlez de notre pays, la Côte d'Ivoire. Apprenez à écouter. C'est important. Apprenez à écouter. Vous donnez le pouvoir à Dramane, on est tous morts dans ce pays. Ça, je vous le dis. Vous donnez ce pouvoir à Dramane, on est tous morts. Non, Ivoirien, Ivoirienne. Kadi Fofana soit salué. La fille de GKS. Il y a mes parents, mes parents Abidji et Gagou, qui m'ont envoyé leur message de faire passer. Donc ceux qui veulent, ceux qui sont OK, je vais mettre ça, vous allez écouter, c'est important. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers parents. L'heure grave, je vais m'adresser à mes parents Abidji, la grande sous-préfecture de Sikensi, tous les villages qui entourent comme la sous-préfecture de Gomo, dont je suis originaire. Donc je vais pouvoir m'exprimer à mes parents en Abidji.
Ogbone, Omiyane, Ombakbane, Omuyuane. Marako nefe. Nofo e, nofo makbe, ame o chulubuo, e ka woju, e bu woju, uku nefe. Woju nese, orubu, re le buwe nyate tuare, re, re ane Côte d'Ivoire, amre, bon, afata bon, akwore, otore mbo iyo, lero iyane, oro apo a l'école oro yene apo yu juma edi amre re runti oro buka panga avu klibali beni obu uki obu e amre par le nomu mesige oto wonju o eno nu misigi e mesige niye oru re Lele, le ouere. Fetini, wadju, amere, alasane watara, ocho abo, ede, akba, obunga, ele, le Burkina, le Mali, le Guinée, le obu, fengma, ede, abo, okuneme, anko. Le ouere. Parce que, amure mouen, ena amere, maturubo. Maturubo, mkane, vine, fene, fuka, fini, nene, rire, fuka, fini, nene, yate. On le voit à quoi donc, non le bon du coup, non le taoukro, à quoi fait, n'a qu'à ouvrir n'aura aucun n'ouvrirait-il, aucun junier, n'ayait-il, non ou non. Qui est Abidji ici? Qui est Abidji? Ceux qui sont Abidji, signalez-vous sur mon direct. Ceux qui sont Abidji, signalez-vous sur mon direct ici. Bon, pour nous refaire, parce que nous comment basé, nous comment refaire. Amre. Moto ulugo no nomo maranefe nefefele ne omwapa moyo fumbe metilo amre omapa bu uwo omoyu uwo omopa bu uwo foko ronyo fene pa no ke le renyati ala san ante le ribini le manyanya orobu no torobu no torotore le na chenu noni amre refe foko chenu muti Vignette Rouenti parce que Alassane Ouattara au Egnette, l'on ouvre fin le MNE. La même après l'effet non, tu as fait hier, mais il y a une autre mère Côte d'Ivoire. Elle est beaucoup promotée. Elle est beaucoup promotée parce que elle est au bout de RM, au bout de notre con. A Fatamo Bon, revoir au robot laï. No wo obu dimanche bot ke mo no wo obu doro no wo abidjan omo bro fe nyete ni kalo ka wo gina wo kuni ne nyete no wo emene ene milicien ne fe di agbo no di bc alors elo di kwa kaku so salue. Vous écoutez, c'est ton frère qui parle, vous écoutez. Notre mère est arrivée. Parce qu'elle est non à mort. Elle est ici. Elle est là sur le Côte d'Ivoire à Bouabe. Elle est Burkina de Noni. Elle est Oufoué. L'objectif de faire passer le message en langue, c'est d'envoyer ça à vos parents dans les villages. Ceux qui ne comprennent pas ce que nous sommes en train de faire. Ce que nous sommes en train de dire, c'est important parce que nous sommes tous. elle dit Esther me laisse. Elle dit il parle Abidji. Oui, c'est important. Ok, je n'avais jamais fait passer le il y a la maman Gagou et puis lui. Demain vous aurez une version gros, donc soyez prêts. Écoutez, c'est important. Rani, Bertrand Chow. Le père de Namoué, Amre, nous essayons encore tiers tonniers, les libérés, nous nous bourrons. Et nous avons dit, mon camarade, mon camp, au bout, mon camarade, et nous avons dit, nous avons dit, lundi, encore, on y a le. Lundi 26,
Atimbre ne fait Côte d'Ivoire boum fait frère pas non que aurait tité le robo bois Atimbre ne fait pas bon au bokoko au poste parce qu'il faut que Rignette on fait un bon élé le encore na élection bou le ou c'est non non moi afata mo bo essayer il n'y a pas élection c'est tout nous tinoi faut que nous fini Alassane, il est bon, il est président, il est bon, 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 on a eu beaucoup de faim. Donc, tout le monde, Alassane, et c'est le président, sur un team, dit, à Fatamo, parce qu'en reconstitution, on a tout le bon champ. Mais, on a dit, on pas bon, on a dit, 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 on a Je suis là. Je vous bédie au boletton, je vous serai au boletton, je vous au bout. Salué. Donc, nous l'irons. On fait, faut qu'on ait notre nom bas. Tu n'es donné notre rire. Tu n'es à beau, tu n'es tio, tu n'es baissé ou donné ferrier. Non, faut ma paix. Non, faut et. On est là quand tu nous connais fait. C'est ça, nous l'irons. C'est ça, nous l'irons. Et n'y a rien. Il ne faut pas nous dire que Alassane est pour le président. Il y a des choses qui sont faites. Il y a des choses qui sont faites. Il y a des choses parce qu'Alassane, il sait qu'il y a plein de monde qui est bien. Mais c'est bien, Belé. Avance nouveau. On balance nouveau. Tchao, yo, non, yo. Korogoye, Bounjale. Ferke, Kachole, Nyakare, Ye Yiri, Ye Yiri, Ye Yiri, Ye Yiri, Ye Yiri, Ye Yiri. Wolotar Nanige Nale, Ye Yiri, Ye Yiri, Alassane Ouattara, Djoa, aussi peut présent, Fabakou, Ye Yiri. Kornaou, il est le plus beau, Amadou Kokbo, Niyesro, Djem, Nretar, Fungoni. Bédié, oui, tu m'as ou t'aimé, Aba Fang Lale. On y a son bédié le cassoni, le Seigneur est yiri, y'a yiri, y'a yiri, y'a t'en kanye djolona, c'est n'a le ouen, y'a le tchan kanye djolona, ou y'a le tchan kanye karana, y'a yiri, à la fin ou à tra sa bédié, meng lan kaye le man, sojo meng kaye le man, a ou fine, a ou ton ou fune, y'a yiri, tinja tenon, tenon y'a yiri, y'a ton tchie, t'ka ben mio, t'a ou ton sena blenye, y'a tchie, y'a ton tchie, et quand il y a un lag et puis il est sauvé, il a mandu go, le man, basso de nene, c'est un blé de pays, au mieux notre waton, au mieux pour ton crofanganagi. Et il tient, quand il y a un la, c'est un blé, il y a un la, mais c'est nébelé. Mais seigneur, il y a un la, oh, il est fana, il est blégué. Ou mieux fana, il est casse au dom nyanja, ou nini, ou tarni, ou mieux au croma, ou amadou go, pose au dom baos, ou son pony, seigneur, il est yiri. Ye yiri o ye yiri ka ben mie ye yiri avant jula anula ne baden slamon ivarium keni muso na ma bo alasan mi bana alasan kan do ke an kro ke fra alasan ni kan kro ke fra yo ya baule ki ay fo 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 ta so fo ekute baule arrive je suis assis sur mon tabouret moi c'est quand je veux le coup Alassane de Kafra, Alassane Kabédié, Negendre Kabédié, Bédié le Kako Beke pour qu'Alassane est président. Alassane m'a bédié tout, Ama Soro Djom tout, Alassane Mena Djone tout, Alassane Tina Mourosito, Aïnia Kababom Nekatobla, Fengela, Kassola,
ala ka ke babo ni ble gude bola na ma wuri surtout au ministère no na ma wuri kalo o ba be fra kelingi alu chef de guerre na tira ta ka down o ko son lendi lo a be wuri kana foko jural ala san te jurai ala san tando ala san yo mochili o ko son akono ka ju sino juro juro si ans la nyo fe ans la nyo fe ne se ni folie me tien ni fola nyana ans la sudu mro fe an be kelingi me ka boya burkina la kwa bina ansere ka boya burkina la kana anfa ala san yesu baga yere 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 na ma wuri kalo ala san te bo ankuna ali fo biosa ala an deme ala san kola ala san ta ka bo ankuna ko di voir ko na ka nya ko di voir to amburu la ani beto ka denwu ani baulu ka denwu an be mom so be bo baulu ni beto fe ni si sa na bina fo ko o be na blana ali biosa ala an deme fa ko li zo saluer an baule ani mamu li kané wa grain ke e baba bedi aussi ke yo ni Alessandra manwa tarai ko pli klomo e ko pli menye ni li kan wa ki ple sa nu an bo bo be on li kan wa se wa na le nga nu i wo fu o ko ni bon kuri bali ko ko won fan dem va go e baba su amon li kan wa passé bon wa lo andeng an grain ke kle parce que là wa ki ple sa nu et ni akunu e ken yayi nandenga jawesu na kangania wa afa kloy boy klorzana wa kbayinzwa na mbobo benyana e ni akunu yo na mondenga kasa sino ay masa e wa me safite manu tie nkandenga yake amti pa bete de ganyuwa atonye ayo ayo media ayo yoro kwa ayo ayi akalete ina anyere zuku eko babadimi anyere zuku eko babadimi ajuroku ajuroku awa tra la sana libia duku ana akami anyere gbagbo lora oko oko na giemi oworo zon me wa tra na kota ka zuku yi Bapé, Charles Blegoudé, Oko Kakadoum, Ouattara n'a vécu Oka Somi, Oka Zoukoui, Olabani jusqu'à Zakanoué, Anne, Oko Soué, Omi, Omi Dok, Obawe, Omi, Doké, Ajuroku, Ajuroku, Ajuroku. C'est le gomme au Zolowawe, Okpati. Donc, Ajuroku a Okpati aussi. Voilà. Voilà. Le dit à Yuka. Atelibomumi. Atosum. Voilà. Atosum. Anyere zuku ko babadim ajuro ko akopati e mo ko se yu akpati o voilà omi omi on va aller chez les Yakuba dans ceux qui sont Yakuba mettez les cœurs et puis signalez vous sur le direct c'est important dam aden sam ko ba mais aussi gori wore Alassane Ouattara. Et puis que. Et ça nous voyait fini de parler pour moi, tu n'as pas entendu? Ouais. C'est sous, hein. Il y a une bosse et puis il y a une ça. Parce que. Moi, je vois ça. Je vais vous dire que depuis quoi pour nous. Il arrive à nous. Et puis que tout ça. Il y a ce goli. Il y a des gars, ministres. Il y a un bas. Pour une baraque forcée, quand on est mino bar, wab, mino anu, ou mino le gayong, de gano, ou zungo pour qui, y candidat kaku, y lo élection, et c'est mes tchari, koko kero. N'appelle quoi loucha, que, quoi zoumé rodi, quoi soudi de ou que, y kousse gori que, mais moi pepe ou sepi,
François Léhi, résistant, sois salué. Pépé, à Kosson, au à Côte d'Ivoire, au nom. Ça nous clé bali, bonne arrivée. Réconciliation. Et que. À San, sans mon combat. Ouais. Il faut que y ait d'eau. Donc, donne, den. Kaloucha. Kalo kwa kore. Que. Mais bon, que. Kwa gosse goli. Koko asa. Moi, y a quand même. Que. Makanou est peu. On s'en va en abe. Ouais, Michel, mon nom, là. Mon nom, j'ai l'embatané. Un papa, y a un chi, un coche, un chi. Et y a un abe, un fada, un pied, un fan, pourquoi pour les. Et nous mouillons gêné, l'eau n'est. Et l'eau. Mais amenez, il peut nous dire, on est. Bel, il y a un kachi, à fort, au nom. Moi, ça me papa pour vous, vous, babo, il y a un bac, il y a un pibou, un. N'y qui nous a le clou, un clou, il y a un bonoku. Donc, papa, il y a le quoi pour Bérou. Amen, bata ne ou le si quoi, elle, n'y qui nous a le béni, t'as fait bédier, a fingé ça, babo, qui fait le quoi, Bérou. Et bien, j'ai dit qu'il peut être bâché, et alors, c'est le 31 octobre, nous avons l'élection. Alors, il y a un docteur Carré, et qui a gagné. Donc, quoi pour Bélo? Il y a Gagou, ne t'inquiète pas, ça vient. Il faut le faire avec pied. Après ça, c'est Gagou. Il faut le faire avec quoi? Et bien, mouillé, il y a une réine. Et là, on ne va pas. Et bien, allez, bien, quoi? C'est d'abord parce qu'on va ouler. Bon, Annie, là, il n'y a pas encore la traduction. Hein. Personne ne veut traduire. Je vous ai dit, ceux qui veulent traduire, la rentrée dans mon tube. Merci. Ntereno, il dit, je suis Abel. Alors, donc, tu as bien compris. Gagou. Mettez le cœur. Oui, et toi, ni. Ou en est qu'elles sont. À la Sandra, ma ouattara. Avec un yo bambou bouka. À la Sandra, ma ouattara. Ou à daba à boa. Ou mandatete, ou non, ni. Ou à pente, ou non, ni. Y'a biba à boa, vipe bouquin. Ah, mandabo. Alassandra, moi, je vais te dire, pas là. Je vais te dire, 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 je vais Soro Guillaume, à la salle Ouattara, et que ni, et qu'a besoin qui parle, et qu'on qui parle, quand tu vois bah, boa. Soro Guillaume, je m'ouvre tout le monde, et que ni, blé goudé, le long d'abord, et que tu m'ouvre tout le monde, ou à bas avec pour la haie. Il y a nous bannou, il y a nous bannou, il y a nous gouettanou, il y a nous notanou. À la son Ouattara, et si elle est bien mienne, elle a bédié toi, mais nous tout nous en bas, mais nous pouvons tout. Bédié, elle dit voilà, qu'ils aient, ou qu'elle vous combat à moi. Ou qu'elle est zone, elle est. Ouah, qu'on ne sait pas où. Et ben, ou à moi. Ou à ben, nous. Encore cacao, qui n'est pas go. Ou non, non, c'est pas non. Ok, il y a l'école là. Ou à quoi, con. Là, la quête. Ma belle blague, au cahier. Là, où qu'elle est. Eh ben, bah, boire. Bon. Toi, ni. À ce temps. À ta papa, là. À disait. Ah, bah. À Yukino. Il est. Ah, d'Adino. À Yukiki. Ah non, d'un coup, tout non. Ah, kaouni. Ah, non, il peut. Ah, que dimanche. Ah, wow, wow. Dédié, wow, beau. Ah, non, mais à quoi dit you qui. Père, caca. Aïe, 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 ça dit.
on y a la sati, on nous a dit, on s'y loin, on nous l'aide, on nous pète. Là aujourd'hui, on connaît, il y a un compte pas au roi Baboua. Il y a un compte pas au roi Baboua. Et que le roi Baboua, non, il y a un compte qui est au Seigneur. Qu'est-ce que tu as dit? Il y a dit tout bas avec moi. Mais on connaît, il y a. Ah, il n'est pas ça. Et mon amandé, non, moi qui t'a dit. Et mon ami Kadi, la Kadi qui t'a dit, a sauté dans mon domaine. Pour qu'on se voit bien au Baboua. Et non, là, mon ambition, mais où est-ce que tu es? Mais toi, mon niveau, banque, ni banque, lié. Simon Boga! Et non, là, mon ambition, où est-ce que tu es? Pour la croix, il y a là. Pour la croix, il y a là. Pour la croix, il y a là. A vous, à blâne, à vous, à vous, à vous, à vous, awon ni ke wa tere awu se awu dile nunu gabi awu ke ale gbe ake o ke ni wa ke ba ke die o to nunu wo ye bo baboa le igbido ane enje kon ke ane keke e no o bo ke kon e ya yo. On page les Adjoukrou et c'est la dernière page et puis bon, on va arrêter la vidéo, ok? M. Alassane Ouattara qui est bien qui est Wissamera et Feng Segnum. En qui Alassane Métionne Moua Ar Lele Agneti Sobele Mouk Agnibi et Ken Elisid Meleke Anin Kanaban Kele Babo Kel Bleu Goudé Le Dun Valiogun Soro Guillaume et Ke Ochoa Omen a busuke lele eyanu snafechi e sewe sayeji le bruno gabanu yugun etun le hume kicha iya oweye e echebne e feng sigbus sigbus anke watch akrom emni sigme le kile aru e anile usufenga ogunla kongon gangi na anke Gangia Lakrum, Sigurus, K. A Frank Sidaben, a K. Lone and Amuchroa, Wakrum, Echeba, Winminichi, Echeba, a Kessila, a Yanus Naya, Fetchi, a Yanke, Eba, Elecha, Eba, Echi, Wime, a K. Noah, K. Lubu Brem, a Noah, Bediana, K. Sorella, on K. Loué, qui est le drogue na, yefena, on dit, amèken, la mouka de mon sao, et un nabou brayen, y tchèt un keliben, es boubou na, et que, nous brayen, tassia, que, ara, ouwe, que, sami bire offre, sami bire offre, que, ouwe la, ogro, odjuku, lile, bete inga, ogro, bete inga, lile, achi inga, que, et l'amour, ne du wokan, ne du wokan. Si bourse, que est fin, le boutouche, wa mandat de rien. Et fin, si bourse, que Simon, Simon, so kokom, et si d'adre que. Et même si on va me kenike l'aïti, et ben c'est on fait ma melombia, que n'y a melech, le midi d'av, anionia. Merci à vous tous qui avez donné de votre voix pour votre pays. Sachez que le combat est lancé. Le lundi matin, moi je vous invite vous tous à prendre les rues de Côte d'Ivoire. De partout où vous trouvez, il faut que Dramane Ouattara sache que nous n'allons pas accepter sa dictature, sa forfaiture et ses tueries intempestives, ses arrestations à un point fini dans notre pays, la Côte d'Ivoire. J'aimerais vous dire à vous tous,
Ok, que Dieu bénisse les Ivoiriens, que Dieu bénisse notre pays, la Côte d'Ivoire. Et sachez que Assane Dramane Ouattara, je le dis encore, était un imposteur, était un escroc, était un margouillard, était un assassin, était un terroriste. Il doit être traité comme tel, lui et son groupe. Dites à Assane Dramane Ouattara que c'est jusqu'à la gare que nous serons avec lui. Et que c'est sur nos corps qu'il passera pour faire son troisième mandat. C'était KGB Le Gourou, soldat de GKS. Merci beaucoup, merci à vous tous qui avez suivi ce direct. Ok, et je ne peux pas finir ce direct-là sans vous saluer avec mon leader générationnel Guillaume Kibaforis Soro, en vous disant la paix et la réconciliation. La réconciliation, je vous ai dit, même Gbagbo mérite que j'aille lui demander pardon, de réconciliation, de paix et de stabilité. Merci. Notre mission, c'est le pardon, la réconciliation et la paix. Aolé, pour sauver mon pays, là, il faut donner à Soro. Aolé, pour sauver mon pays, là, il faut donner à Bogota. Aolé, pour sauver mon pays, là, il faut donner à Soro. Aolé, pour sauver Papo, il faut donner à Bogota. Son rêve il a gâté, l'enfant là il a tout brûlé. Il s'est mal présenté, c'est lui qui t'a le rivel. On a volé sur lui, on a coulé sur lui, on l'a même régné. Mais depuis un moment, l'enfant là ne fait que se promener partout dans les rios de la Côte d'Ivoire pour demander pardon. Yeah. Aolé, mon pays là, il faut donner à son. Quand ça a commencé, ils ont tous gâté Oya. Le pays est devenu bizarre, ça n'allait plus. Mais pour l'ivoirité, nous on a besoin de priorité. Soit il est ceci, il est cela, mais la réalité, c'est le vrai ivoirien, on le sait. Et vous aussi, vous le savez. C'est l'enfant du pays, Chéri Banani Bogota. Pour sauver mon pays, là, il faut donner à Soro. Mes amis, vous le savez, la Sainte Bible nous dit, pardonnons-nous, aimons-nous les uns les autres. Vous-même savez, nous sommes dans le pays de Nana Boigny, je dis l'homme de la paix. Alors, unissons-nous, réconcilions-nous avec Soro Kibaforijio. Neko Sabari Samba Jackie Mao Sabari Ousmane Touré Ile Nemeni la Nede Sabari Le Kami Dunana Waye Waye Just Le Bou Aole pour sauver mon pays là il faut donner à Soro. Parce que quand tu pardonnes pas sache que ça peut te consumer. Yao Yaya Sena Bobo sauver mon pays là, il faut donner à Soro. Car il même il a dit, ceux qui croient en moi, et ils sachent que moi mon pardon il est sincère. Donne ya oh ya ya c'est. Last chance de Jafur, aye oh ya. Desi zango na oh ya ya zibo zibo. Wawa yuse se, pardonne se. Mon vieux père Abdoul Kaba soit salué depuis ta voix, depuis ta position, le KGB à son poste. Ah, Bogoni, Bogota souri. Mon vieux père Mevani Soumaro soit salué. Kadé Diara Soumaro, nous sommes là toujours. Tout le Moussa, mon vieux père, le KGB à son poste. Commandant Fof, je suis toujours là. Sibona, mon vieux père, on est ensemble. Mon vieux père, commandant Tracteur, soit salué. Au nom de la paix, Bogota, laissez tomber. Souris a sacrifié son poste à cause de la paix.
Le pardon commence d'abord par soi-même avant d'aller chez les autres. Pardon, Yaki Sabari. Ah, olé, Kona est en toi, salué. Kadi Fofana. Faut taper sur YouTube, Andy la boîte noire. Mais j'ai dit où? Lève-toi, il demande pardon, hein. Mais André, c'est sur mon petit lac, on veut tout mettre quoi. Mais je comprends pas à faire, hein. Ah, olé. Mon pays là, il faut donner un sou. Ah, olé, pour sauver mon pays là, il faut donner un sou. Merci à vous tous. En ensemble, jusqu'à la gare, les gars. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. Ok? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. En ensemble.